Bernadette Lafont, en déplacement à Nîmes pour assister au vernissage de l'exposition qui lui est consacrée, a eu droit à un chaleureux accueil dans sa ville natale, où un bon nombre de ses amis de lycée lui avaient réservé une surprise par leur présence et photos d'époque à l'appui. La célébrité, la publicité, photographier ou interviewer, mais quel effet cela vous fait? Moi j'aime faire du cinéma, bien isolé dans les lumières. Le monde alors n'existe pas, je m'abandonne tout entière. Les Nîmois que vous êtes l'apprécient d'être venus nombreux. Il y a des anciens de Feu Cher, je crois, il y a des anciens de cours de danse, puisqu'elle nous rappelait ce matin qu'elle dansait à l'ancien théâtre. Et puis, il y a tous ceux qui ont suivi cette magnifique carrière, l'égérie de la Nouvelle Vague, qui a joué avec les plus grands acteurs. On l'a vu, Belmondo, Noiret et d'autres sur ses affiches, bien sûr, avec Rialy notamment. Cette film avec Claude Chabrol, qui aujourd'hui tourne à Nîmes, d'ailleurs, pour quelques semaines, et qui a rencontré d'ailleurs Bernadette tout à l'heure. Donc, c'est dire que ces rôles aussi riches les uns que les autres ont fait naître cette nouvelle vague, donc je disais de Chabrol, mais Nelly Kaplan, Jean Eustache et bien d'autres, Rivette. Je crois que c'est vrai qu'à cette époque-là, le cinéma c'était une aventure aussi. Oh, je suis très émue à tous les Nîmois et les Nîmoises qui sont là, qui étaient là aux arènes aussi. Et c'est vrai qu'aujourd'hui c'est particulièrement émouvant pour moi puisque il y a cette fête, ce vernissage de cette merveilleuse exposition. Et en même temps, je suis allée à pied par les jardins de la Fontaine, c'est toujours un pèlerinage, jusqu'en haut de la rue de la Tourmagne pour aller embrasser Claude Chabrol, qui tourne là son film. Et on a aussi, quelques mois après, les Mistons, qu'on a commencé ici avec Truffaut, et puis ils étaient des amis aussi, Truffaut et Chabrol. Et deux ou trois mois après les Mistons, on était dans la Creuse et on tournait le Beau Serge, le premier film de la Nouvelle Vague. Et tout ça, c'est un peu comme une boucle qui se forme comme ça. Et c'était très, très émouvant. Et voilà, que vous dire de plus, sinon que je suis heureuse d'être là avec vous tous, que j'aime cette boucle. Et que je vous aime aussi tous, les Nîmois et les Nîmoises. On est de la même famille. Merci. Merci. Je prends des photos, je t'en ai porté d'autres. Celle de la sixième et de la cinquième. Je te donne celle-là après. Mais on se retrouve dans le cloître. Oui, parce que nous Bernadette, vos impressions alors? C'est un merveilleux rêve, en même temps qui est une réalité, de retrouver comme ça le passé avec mes amis d'enfance et puis et la ville. J'ai même trouvé quelqu'un là avec qui j'étais à l'école de Saint-Géniès de Malgoires. Est-ce qu'on va vous revoir bientôt? Oui, bien sûr, mes amis, mes amours, Lorraine Lévy, et puis aussi nos 18 ans, enfin il y a quelques films qui vont sortir.